ça c'est assez particulier pour moi. Ça a été mon premier trip en dehors de la France. Je me rappelle, j'avais 14 ans. La vague est super pour la compétition. C'est une vague où tu peux vachement t'exprimer. Tu peux faire beaucoup de variétés de manœuvres. Au dernier moment, j'ai décidé de venir à Trestles. J'ai fait un surf avant de venir. Je sentais un moyen. Je fais quand même un bon strapping pour bien tenir la cheville. Iba a ser el primer campeonato después de la segunda lesión de este año. He rehabilitado bien y no sé, estoy con fuerzas y con muchas ganas de surfear y a ver qué tal sale el campeonato. Yo creo que tanto Thiago, Miki, incluso Jeremy este año también, o yo, poder hacer un buen resultado aquí y seguramente los cuatro daremos lo máximo para llegar a lo más arriba posible. J'ai vu mes planches seulement avant-hier, elles sont arrivées avec 4 jours de retard, j'étais un peu inquiet, mais je suis quand même content d'avoir mes planches et j'ai bien surfé. C'est toujours bon de passer son premier tour. On va venir voir Jeremy et Thiago demain. Jeremy qui a super bien surfé, il m'a impressionné. C'est dommage qu'il n'a pas eu les bonnes vagues et Thiago aussi a super bien surfé. C'est vraiment une vague difficile, tout le monde surfe très bien, tout le monde prend des bonnes vagues, ça se joue vraiment à rien à chaque fois. Surf contre Gérard Calor, un Brésilien qui est assez léger aussi au niveau gabarit et rapide. Il peut être très dangereux comme il peut vraiment passer à côté, donc on verra bien. Normalmente soy un competidor con mucha paciencia, pero en este año en el CT me están tocando muchas mangas que la verdad es que con muy pocas olas y el hecho de tener paciencia pues a veces no me ha ayudado mucho, ¿no? Y esta manga quería empezar rápido y además cuando Bruce ha empezado rápido así pues yo creo que he remado esa ola que no debía y he perdido la prioridad. Sabia que ia ser muito difícil, por isso fui muito concentrado e pronto, surfei o meu melhor. Foi pena ter caído na minha primeira onda, que foi um 8 pontos, acho que podia ter sido muito melhor e podia ter feito a diferença, marcado a diferença no hit. Ao fim precisava de uma onda de 8,83 e fiz uma onda no último minuto, que foi quase, mas não chegou, foi um 8,43 e pronto, foi o que eles chamaram o hit do dia, do segundo round, por isso perdi, mas perdi de cabeça erguida. Justement, c'est un très bon compétiteur, il a pas mal d'expérience, il a déjà quelques années sur le WCT. Les vagues étaient très difficiles à surfer, c'était pas évident, je me sentais beaucoup plus à l'aise sur les gauches. Mais je suis quand même content d'avoir gagné mon premier tour. Je suis resté 24e au classement. Voilà, la France arrive, l'Europe arrive. Donc j'espère que ça va marcher pour nous là-bas. Bon, Mimi, je pense qu'il est fait. La cheville, on parle très peu, presque plus. Et voilà, on va attendre le résultat de la série après pour voir comment on va se positionner pour le reste de la compétition. Jeremy set up really well in round 3, and I saw that, so it's pretty solid, so yeah, I'm pretty excited, so it's going to be a really good heat. Il était en feu depuis le début de l'année, et c'est une vague où il surfe super bien, il est un des favoris. J'ai réussi à le battre aussi à la dernière seconde, c'était assez incroyable. If it ain't natural, then it ain't real. Yeah, Jeremy just picked off the best waves, and everyone I got sort of just ran off. But you know, he's been surfing insane. He surfed great the whole event, and yeah, you know, well done to him. Plus je passais les tours, je montais en puissance dans la compétition, plus je passais et plus je faisais des bons résultats. Et je terminais 3e, donc avec voilà, ma deuxième bon résultat de l'année. C'est un résultat énorme et ça reflète vraiment son surf sur cette vague-là. Il surfe vraiment bien, rien à dire. C'est une vague qui colle parfaitement à son surf, je trouve. Kelly, c'est une vague à 9, je ne mettrai pas 9 sur sa deuxième. Mais peut-être que je le mettrai devant parce que sur les deux vagues, il a développé un surf plus complet, plus mature, plus d'amplitude, plus puissant. Je pense que là, il est champion du monde.